Salut les astros, où vous soyez sur cette planète, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous explique ma méthode pour dessiner un beau cratère. Alors tout d'abord, le matériel. Il vous faudra bien sûr une planche à dessiner, une ou plusieurs feuilles blanches, trois crayons gris, donc type H, HB et 2HB. Voilà. Donc un crayon sec, un crayon moyen, un crayon gras. Voilà. Un bout de gomme taillé en pointe, en biseau, avec un cutter. Attention, pas de gomme colorée, gomme blanche. Un crayon estompe. Alors le crayon estompe, si vous n'en possédez pas, vous pouvez utiliser un bâtonnet ouaté ou alors un coton-tige. Voilà. Il vous faudra aussi un disque de coton démaquillant. Là encore, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez utiliser un papier absorbant type sopalin ou alors votre doigt. Mais bon, on avait dit qu'on ne l'utilisait plus. Mais bon. Alors, munissez-vous également d'une source de lumière pour vous éclairer. Alors, pour cette dernière, étant donné que la Lune est quand même extrêmement lumineuse, hein, c'est un astre éblouissant, bon, une lumière rouge n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez utiliser une lumière blanche sans souci, de faible intensité, si possible quand même. Alors, pour observer également la Lune, je vous conseille de vous munir de filtres. Filtre gris, filtre lunaire gris, il en existe de différentes densités pour atténuer la sensation d'éblouissement quand même. Hein. Il ne s'agit pas de vous griller la rétine. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de filtre lunaire gris, utiliser des filtres de couleur qui ont des bons pouvoirs d'absorption comme le rouge, le bleu. Alors, intéressant aussi à utiliser les filtres interférentiels de type O3 ou UHC. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ils atténuent effectivement déjà la sensation d'éblouissement, mais également, ils peuvent aussi atténuer les effets néfastes du chromatisme. Et oui. Alors, néanmoins, en utilisant des filtres interférentiels, vous allez quand même perdre un peu en qualité. Alors voilà, c'est à vous de voir. Alors, en ce qui concerne l'astrodessin maintenant, alors, il s'agit bien de reporter sur une feuille de papier ce que vous allez voir à l'oculaire. Hein, donc, c'est avant tout la qualité de votre observation visuelle qui fera la qualité de votre dessin. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'observation, donc faut toujours commencer par observer. C'est une étape cruciale et très importante. Donc prenez le temps, eh bien, d'observer, de regarder, de détailler le ou l'ensemble des cratères que vous souhaitez dessiner. Notez bien sûr mentalement leurs proportions, les petits, les grands, les moyens, etc. Notez également les positions, leurs positions respectives les uns par rapport aux autres, par exemple. Notez les lignes fortes. Alors les lignes fortes, c'est ce que j'appelle par exemple les lignes de crête. Les contours, les délimitations de contours, les fonds de cratères, délimitation des ombres, des lumières. Surtout si par exemple vous observez un cratère avec des parois en gradin. Voilà. Observez également tous les petits cratères que vous souhaitez associer à votre dessin. Imaginez les formes géométriques simples qui pourraient les relier, des lignes, des triangles, des parallélogrammes, mais rien de plus complexe que ces formes basiques. Observez enfin les différentes tonalités de gris qui peuvent aller du noir jusqu'au blanc. C'est ce que l'on appelle dans le jargon les isophotes. Alors, vous y êtes presque une fois que vous avez terminé votre observation, vous avez pris le temps d'observer votre cible. Maintenant, il faut décider de ce que vous allez réellement dessiner. Eh oui. En effet, il faut se fixer un objectif de dessin atteignable. Atteignable par rapport à votre niveau de dessin. Et puis par rapport à la surface lunaire, puisque cette surface lunaire, elle regorge de détails. Si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez passer des heures à dessiner de minuscules et infimes parties de sa surface et ainsi perdre un peu de votre motivation pour ce dessin. Faut pas tout dessiner, il n'est pas question de dessiner tout ce qui se trouve dans le champ de l'oculaire. Alors pour cela, j'ai une petite méthode assez simple. C'est de ne pas dessiner le cercle de l'oculaire, tout simplement pour ne pas
vous influencer à dessiner tout ce qu'il y a dedans. Hein. Laissez la feuille en fait vierge de tout contour. Ensuite, focalisez-vous sur votre dessin, votre cible et seulement votre cible. Les alentours des cratères ou du cratère seront dessinés en dernier pour l'esthétisme et rien de plus. Alors commençons notre dessin. Alors pour cela, on va d'abord réaliser un fond. Alors la lune est grise. Pour cela, je vais crayonner à plat avec une mine de type HB, quelque chose d'assez gras, mais pas trop. Je vais crayonner trois couches légères et je vais les croiser à 45 degrés. Puis quand j'aurai terminé, je vais étaler avec le disque démaquillant. Votre doigt si vous n'avez pas ou un sopalin. Voilà, le but c'est de créer en fait un fond gris le plus uniforme possible, sans coup de crayon. Donc voilà. Deuxième étape, je m'applique ensuite à dessiner au crayon sec, type H ou 2H, les contours extérieurs et les contours intérieurs du ou des cratères que je vais dessiner. Je ne cherche absolument pas à faire les détails. Il ne s'agit finalement que de poser les limites et les formes générales de votre dessin. C'est une étape, mine de rien, qui est très importante, car elle va impacter tout le reste de votre dessin. C'est un peu comme quand vous construisez votre maison, vous faites les fondations, et votre maison, elle tient debout parce que les fondations sont bonnes. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps et à recommencer si nécessaire à faire tous ces petits contours. Une fois satisfait de mes contours, je vais découper cette esquisse en tronçons significatifs, à la manière d'un puzzle, parce qu'il est plus facile en fait de dessiner de petites parties juxtaposées que de dessiner de longues parties où on va éventuellement perdre le sens des proportions. Donc voilà, on va découper son esquisse en puzzle. La troisième étape consistera à poser les ombres. Pour cette étape, il ne faut absolument pas lambiner, parce qu'un quart d'heure d'observation, les ombres bougent sur la Lune, elles bougent vite. Voilà, je trace donc d'abord et avant tout les contours de mes ombres que je remplirai plus tard. Voilà. Je commence par les ombres les plus sombres, les plus noires, les plus tranchées. Hein, et ensuite, je passe aux ombres moins soutenues. Pour les ombres moins soutenues, j'utilise généralement l'estompe. Si vous n'avez pas d'estompe, le coton-tige. Voilà. Jusqu'à ce que j'arrive aux ombres les plus claires. Quand j'ai terminé ce passage des ombres, je passe ensuite à la lumière. Je vais passer aux zones blanches. Donc pour ça, je vais utiliser ma gomme. Alors ma gomme qui est taillée en biseau, hein, et je vais l'utiliser à la façon d'un crayon. Un crayon qui enlève de la matière plutôt qu'il n'en ajoute. Voilà. C'est un peu comme si on travaillait en négatif. Donc lors de cette étape, il arrive, et il m'arrive souvent, de devoir retravailler des ombres que j'ai effacées. Voilà. Donc pour ça, j'utilise soit un va-et-vient avec mes crayons, ou un va-et-vient avec ma gomme et mon estompe. Voilà. Donc c'est un travail assez... C'est sans doute le travail le plus long à faire. C'est de poser des lumières. Alors selon, bien sûr, le degré de précision que vous vous êtes fixé, ce travail d'ombre et de lumière peut prendre du temps. Néanmoins, ne soyez pas trop exigeant, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la Lune fourmille tellement de détails qu'on ne peut pas absolument tout dessiner sans devenir complètement dingue, complètement fou. Hein, voilà. Mais déjà arrivé de passer tellement d'heures, tellement de temps à essayer de dessiner un cratère dans les premiers, mes premiers astrodessins, que je m'en suis quasiment découragé. Hein, voilà. Donc, ne faites pas cette erreur. Lorsque vous êtes satisfait de vos jeux d'ombre et de lumière, prenons encore un peu de temps pour retravailler, redessiner les ombres sombres, hein, généralement, et puis de repréciser les lignes fortes que vous avez observées. Voilà. Donc on repasse un peu de temps en temps, voilà, on repasse quelques endroits qui méritent d'être précisés. Lorsque vous êtes satisfait, prenez ensuite le temps d'habiller les alentours du dessin. Ne cherchez absolument pas les détails et la précision, c'est de l'esthétisme. Voilà, tout simplement. On ne vous en voudra pas si ce n'est absolument pas la, presque la réalité. Hein. Voilà, c'est juste pour faire joli. Hein. Voilà, vous avez terminé votre premier dessin.
votre premier astrodessin lunaire. Félicitations. Pour ceux qui souhaitent eh bien, une étape d'entraînement avant de passer du temps à l'oculaire, hein, parce que mine de rien, le premier astrodessin, on s'aperçoit qu'on est vite débordé par tout ce qu'il y a à faire. Donc, pour ceux qui veulent se faire la main, vous pouvez tester cette méthode en utilisant, en faisant un dessin d'après-photo. Donc c'est un excellent exercice, hein. Vous trouverez des photos sur Internet, sur Google, sur pas mal de choses, voilà, sur les forums. Il y a pas mal de gens qui laissent des photos, entraînez-vous. Voilà, voilà qui est terminé. Si vous êtes encore là, eh bien c'est que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et ben, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche. Voilà, pour ne rien louper. Alors, où que vous soyez dans cet univers, je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez voir, partager et discuter avec des astrodessinateurs et voir de très beaux astrodessins et apprendre, eh bien vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook Dessins scientifiques et astronomiques. Allez, ciao !